Salut à tous et à toutes, ici Delphish. Donc on va faire une petite vidéo sympathique parce que j'ai trouvé un jeu vraiment sympa. Ça s'appelle Wolf. Je vais vous montrer deux jeux d'abord parce que je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc je vais d'abord vous montrer un truc où je vais souvent, c'est ce genre de bazar là. Donc si c'est trop long, je passe. Si c'est pas trop long, ça va. Ça dépend si le machin... Wow. Ça a été assez rapide quand même. Ah, ça va, c'est pas mal. Ça a été assez rapide. J'ai pas dû... Ouais, bon, après, je vous dis tout de suite, c'est pas très fluide, hein. C'est pour ça que... D'ailleurs, ici... Oula. Voilà, par exemple ici, si je commence à faire ça, hop. Ah non, ils ont réglé le problème apparemment. Parce qu'à l'époque, ça ramait à mort ici. Donc le principe, c'est d'essayer de... C'est d'essayer d'attraper du machin. Enfin, c'est d'essayer de toucher les trucs là, que vous voyez là-bas. Voilà, et du coup, ça me fait gagner un petit truc. Et ça, je peux l'y changer contre quelque chose. Ouais, c'est pas important. Par exemple ici, ben, c'est simple en fait. Là, j'ai ma petite maison. Hop. Vous allez comprendre ce que c'est après. Par contre, le chat, je n'ai pas demandé de t'afficher. Moi, de mon côté, je diminue un peu le son pour pas qu'il me gêne. Ouais, je sais pas ce que je veux. Voilà, ça devrait être bon. Faut qu'on l'entende quand même, mais que ça gêne pas plus que ça non plus. Alors toi, on va te mettre là comme ça fait un peu garniture. Non, là t'es trop haut. Ah, voilà, là c'est parfait. C'est Moby Zen, hein, pour savoir, c'est pas un truc qui va avec le jeu. Donc voilà, bah, ici en fait je vous montre un peu ma maison, la maison que j'ai dans le jeu. Hop, bien sûr comme d'hab je suis en furie, hein, parce y a que ça de mieux. Hein? Avec le petit ou même qui est assez comique, il me fait rire. Hop, c'est ça. Avec sa tête de choqué là, de oula, je me retrouve dans un truc. Il est comique là, un moment. Cette espèce de pouf frustré là. Hop, voilà, là nous avons par exemple les toilettes. Donc c'est pas intéressant. Oula, non, je devais pas le WC. C'est automatique en fait, ça vous assoit automatiquement, donc du coup ça m'assoit automatiquement. Ouais, c'est beau, mais voilà, c'est un peu à quoi ressemble la zone de confort où je suis, quoi. Après moi j'ai verrouillé tout, parce qu'en fait là si je fais ça, voilà, ta maison est désormais déverrouillée, donc les gens peuvent visiter, et là ta maison est désormais réservé à tes amis. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que moi je l'ai en fait verrouillé. Il y a seule une personne que j'ai en ami, donc c'est la seule qui peut visiter la maison quand elle veut, quand je suis connecté, parce que j'ai pas envie que d'autres personnes visitent ma maison, c'est tout. C'est une préférence tranquille. Après on peut aller voir, hein. Voilà, je vous ai montré un peu à quoi ressemble ma maison. Non, on peut aller voir les autres maisons des autres gens, parce qu'il n'y a pas que moi qui a une maison, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des maisons. Voilà, donc vous étonnez pas si au cas où vous avez entendu un bruit de coupage du son, de la musique, c'est normal, je l'ai coupé temporairement parce que je vais... Bah, il y avait un tout KRL, hein, donc du coup c'est normal. C'est le but, hein, de pouvoir couper comme ça instantanément, pas besoin de couper en vidéo, je peux couper directement quand j'ai besoin. L'enregistrement... J'arrive pas à parler français. Ah mon Dieu. L'enregistrement se fait en un coup, comme on dit. Et le truc, c'est que... Excusez-moi. 2 secondes. Le truc, c'est que... Voilà, ici, j'ai des minutes, comme vous voyez. Et ça me permet aussi de savoir, de dire ok, à 10 minutes je change de truc, etc.
Donc on va aller vite sur la place pour vous montrer à quoi ressemble la place. Bon, ça saccade un peu, mais en même temps, c'est sur ma... C'est sur... C'est pas sur Xbox One là, que je suis, c'est sur une Samsung Galaxy Tab S3. C'est ma tablette principale pour le dessin en fait. Elle me sert aussi pour le gaming. Parce qu'elle est assez puissante pour ça, elle est même plus puissante dans une logique, elle est un peu plus puissante que mon PC. C'est juste la RAM manquante, mais... Enfin, voilà. Enfin, c'est ce que ça donne comme impression. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe complètement, mais bon, soit on s'en fout en fait, c'est pas important. Donc là, vous voyez un peu à quoi ressemble la maison et tout. D'ailleurs, l'idée de mon personnage, c'est pas... voilà, c'est mon personnage. Et vous pouvez aller acheter des trucs. Si par exemple, si je vais aller acheter un truc, je vais là. Je vois plus rien. Mais... Oui, merci. Tu m'as même pas laissé temps de vérifier, de te montrer. Regardez, là, on a un personnage comme moi. Sauf que moi, je suis beaucoup plus complet. Parce que, voilà, je me suis... Lui, c'est juste un PNJ, mais... Donc, du coup, c'est un peu comique. Alors, voyons voir ce qu'il y a de nouveau. J'ai plus joué depuis des années, donc... Hop, voilà, vous achetez comme ça, et c'est tout. Hein. Hop. Alors, il y a un peu de tout, il y a des trucs sympas. Ah, bah attendez. C'est sympa, ça. Voilà. Et cactus, j'aime bien. Ouais, on va acheter ça. Oups. Oui. Non, ouais, mais la couleur de base de ce truc, c'est pas notre couleur. Voilà, par exemple, bon, comme vous voyez, je vais faire de l'achat et après on va les poser carrément. Ce serait intéressant de les poser en fait après. J'espère que la musique, vous l'entendez quand même assez bien. Ce serait dommage de pas profiter un peu de la musique du jeu parce qu'elle est sympa, enfin pas forcément cette musique là hein, mais je veux dire le jeu quand on est dans le salon et tout ça, ça est sympatoche. Ouais, ça me sert à rien parce que j'ai pas vraiment... Oups. J'ai pas vraiment de truc où poser, je vois pas l'intérêt en fait. Monsieur le ouf, arrêtez de me retirer. Espèce de fou. Alors, voilà. Voilà, bah, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne, etc. C'est sympa, en tout cas, c'est un truc sympatoche. Par exemple, ici, vous avez une chaise de... Ça me sert à rien, donc j'ai pas besoin d'acheter plus. Donc voilà, c'est un peu le principe de venir. Et les autres boutiques, c'est pareil. Je vais juste vous montrer... la boutique de l'animal là qui me suit, c'est tout le monde en a un et on s'en avoir un facilement. Ça s'appelle un MIP et c'est pour ça que ça s'appelle MIP City en fait. Sous Xbox One au moins j'ai pas le chat, là au moins on a le chat. Bon c'est pas en français oui. Mais au moins c'est voilà quoi. Peps. Voilà, là vous avez le truc de peps, adopter, vendre ton boutique. Je vais pas vendre mon peps, j'aime bien mon peps. Et internet déconne, je ne vois que ça parce que j'ai pas d'image. Je vais sûrement être expulsé. Bon mais tant pis. Hein. Oula, on se calme. Se calme. J'aimerais bien avancer. Bon bah tant pis, en tout cas vous avez compris le principe. On va pas te casser le cul. J'ai
beaucoup de gens qui s'amusent à m'envoyer des invitations, mais c'est souvent des gosses, donc du coup, ben, j'accepte pas. Parce qu'en fait, regardez, en fait, la logique, c'est que seulement les gens connectés ont leur maison qui apparaît, donc ça se déplace souvent. Donc ma maison, elle est souvent plus au même endroit, par exemple. Ici, elle doit être. Ah non, si elle est toujours, mais par exemple, ici, je peux rentrer. Alors, je me pose la question, est-ce que quand on met en soi uniquement, est-ce que ça fait juste une copie de la maison où c'est vide, vous savez, et que du coup, les gens savent quand même visiter, mais c'est juste qu'ils te voient pas toi, ils sont de. C'est une copie quoi. Vous voyez par exemple ici on a une maison de quelqu'un d'autre. Ben, ça fait ça en fait. Ah, il faudrait que j'achète ce petit truc là. Il faudrait que je le trouve. Je sais pas c'est quoi mais il faudrait que je le trouve. Alors c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa chez lui je trouve. Là. On va quitter. Voilà, comme ça vous avez vu. Bon, ils m'ont demandé c'est qui, mais on s'en fout puisqu'on quitte de toute façon. Et ils seront jamais. C'est pas comme si j'avais une chaîne connue, donc ça c'est pas important. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble pour ce qui est de Meep City. Donc par exemple, je peux vite rentrer dans la maison pour me cacher. Est-ce que je suis un ouf inquiet? Non, je peux. Hop, voilà. Oula, on se calme. Je vous prie. Voilà, et du coup là on est chez moi, on est tranquille, on est. Oula. On est peinard. Il y a une toutruffe husky là. Sibérien. C'est un husky sibérien. Qui passe par l'endroit où ils passent quand ils sont des animaux. Petit ouh. Ils sont comiques, hein. Ils sont trop choupis. Ils sont trop choupis. Mais sur la Xbox One, j'ai l'impression que le traitement des GIFs animés, il y a un truc en plus. C'est peut-être à cause de mon moniteur en fait. Ça a peut-être rien à voir avec ça. Tout court. En bref, ils m'ont demandé, je n'ai pas de réserve. C'est qui lui? Aucune idée. J'ai plein de réserves. Voilà, donc ils savent aucune idée. Bah ouais, on ne connaît pas. Et on connaîtra jamais. Donc là, du coup, pour quitter, bah, il faut suite faire ça. Hop, quitter. C'était assez rapide, je trouve. Donc c'est pas mal du tout. Pour voilà, en termes de rapidité, on a gagné. Donc là, par exemple, j'ai une demande d'amis. Encore. C'est qui? Bah non, c'est mon ami. Bah oui, mais c'est normal que. Non, une demande d'amis. Je suis désolé, je ne te connais pas, je n'accepte pas les gens que je connais pas. Si j'aurais parlé avec et tout ça, j'aurais peut-être accepté, mais ici je parle avec personne, donc du coup je ne n'ajoute pas que les gens que j'ai confiance et que je connais. Donc là j'ai qu'un ami en bref. C'est Cereal Wolf, je sais plus déjà son nom, j'ai déjà oublié, mais c'est la seule personne que j'accepte parce que c'est une amie. C'est une amie, c'est tout. Voilà, c'est sympa. C'est une amie que je connais en vrai en fait, sur Facebook et tout ça. C'est pour ça que elle, j'accepte parce que c'est quelqu'un que j'ai vu en vrai. Et je sais que c'est quelqu'un d'adorable et tout ça. Donc voilà. C'est quelqu'un de très sympatoche. Je vérifie juste un truc. Vous m'excuserez si au cas où vous entendez un bruit. C'est quelqu'un de très cool, en tout cas. Elle est furie, enfin, elle fait du fursuite et tout ça, elle est vraiment très très sympa. Et en fait, du coup, moi, comme je suis quelqu'un de parano, on s'en fout, j'accepte que les gens que j'accepte. Voilà, donc le deuxième dieu, c'est celui-là. Celui-là, il est vraiment stylé, je trouve. Je sais pas comment ça se fait que. Comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment stylé. Voilà, vous êtes un. J'allais dire un loup. Mais oui, c'est ça. Un loup. Mon cerveau va trop vite. Automatique. Et si je. Manuel. Moi, on va mettre en fond. En jeu.
Voilà, au moins on est sûr d'être au max. Alors là, vous avez des gens. Vous avez des gens qui buguent. Alors, on va remettre en automatique, mais je pense que ça change rien du tout en fait. C'est l'impression que j'ai parce que quand je passe en automatique, regardez, quand je passe en automatique et en manuel, vous voyez une différence ou pas vraiment. C'est que ma table S3 est assez puissante pour tenir. Voilà, donc vous avez des gens. Alors est-ce qu'ils parlent français, j'en sais rien. Non, pas du tout. Voilà, bah c'est. Lol. C'est sympa parce que les gens, c'est un peu comme. Je sais plus ce que s'appelle le nom. Ça me fait penser un peu au jeu. Comment il s'appelle encore? Last Moon en fait, dans le sens. Sauf que sur Last Moon, il n'y a personne. J'ai déjà été. J'ai voulu jouer dessus, mais sur le jeu, c'est désert, il n'y a personne. J'ai rencontré personne. Au moins là, il y a des gens, tu vois. Il y a des personnes sympas et tout. Enfin, je sais pas s'ils sont sympas, mais il y a des gens. Sur Last Moon, j'ai été, j'ai rien compris. À part que je pouvais avoir les shaders et tout ça, que le jeu pouvait ne pas être trop gourmand à des endroits, mais c'était stylé, il est très beau le jeu, mais après j'ai rien compris. J'ai trouvé personne, mais absolument personne dans le jeu. Donc je sais pas, je n'ai pas compris le principe d'être tout seul, je vois pas le délire. Donc voilà, j'étais tout seul dans Last Moon, donc j'étais un peu dégoûté. Il faudrait que je m'ajoute des ailes en fait. Ça ferait un jeu déchu. Comme dans Supernatural. D'ailleurs, j'ai terminé Supernatural, enfin, j'ai terminé la saison sur Amazon Prime. J'ai terminé toutes les saisons. À part la 12, si je me trompe pas, c'est la 12. Pour ceux qui connaissent, où il y a l'ange de Lucifer, donc qui naît en fait, parce qu'il a procréé avec un être humain, enfin soit, peu importe. Et du coup, je suis un peu dégoûté parce que c'est pas encore disponible en fait sur Amazon Prime, et du coup j'attends impatiemment. Du coup, je suis en train de me regarder les saisons de Dr. House pour l'instant. Docteur Maison. Voilà. Ouais, c'est cool. Ouh! Le mec qui sait pas conduire, tu sais. Ah, attention! Bon, je joue au tactile aussi. Hein. Je pourrais jouer à la manette, mais j'ai la flemme. Donc, voilà. Quand on est une fainéasse comme moi, on joue pas à la manette. Et le jeu est quand même très, 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 très beau. Je trouve. Bon, après, faire une vue panoramique propre, c'est pas possible. Je pourrais pas le faire. Donc voilà. Ah! En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Il est cool. Et surtout Roblox. J'aime bien Roblox. Parce que c'est sur Roblox, hein, je rappelle. Si vous ne croyez pas, mais. Tadam! Roblox, regardez. Il est là. Hop, on appuie dessus. Et hop là. Et ça réactualise. J'ai fait exprès aussi comme ça réactualise tout. Donc ouais, c'est sur Roblox en fait. Oula, c'est quoi ce bordel? C'est la fiesta. Ah ouais, c'est stylé, il vole carrément lui. Faudrait vraiment que je trouve comment faire pour ça. On va vérifier, tiens. On va quitter le jeu. Ne pas quitter le jeu, attends. Non, quitter le jeu. Ah, sympa la musique. Ouais, c'est une belle musique, mais c'est sympa qu'on puisse mettre de la musique comme ça, c'est marrant. Non, sincèrement, c'est un beau. C'est un beau. Vous voyez, j'ai que Seria. Je suis vraiment tout seul. En fait, du coup, je suis obligé de refaire ça, c'est un peu chiant. Alors, vous vous étonnez pas aussi, j'ai oublié de dire, mais en fait, le 4 tiers, entre guillemets, à la cathodique, comme on dit.
C'est normal, c'est la table S3 qui fait ça, c'est pas du 16 neuvième, hein. Donc c'est normal que l'affichage, même quand je publie des vidéos sur de Minecraft ou quoi sur YouTube, c'est toujours en 4 tiers là. Et que ça prend pas tout l'écran, c'est tout à fait normal. C'est la table S3 qui fait ça. C'est pas la table S4, hein. J'aurais jamais su me payer la table S4, elle est trop chère. Ici, j'avais vraiment besoin de cette tablette, donc elle me permet de dessiner, elle me permet beaucoup de choses et je suis content, je suis très satisfait de cet appareil. Donc, R. Alors, je ne sais pas comment on écrit le nom en anglais, donc on va marquer Google Trad. Voilà. Merde, attendez. Je sais plus écrire. Ok, ça s'appelle Wing. Donc c'est dans le torso. Non plus, j'ai déjà regardé, merde. Ooh. Mais c'est nul, c'est pas là qu'il faut que ça aille. C'est quoi si je fais ça? Ah, stylé! Ouais, pourquoi pas? Ah. Ouais. Pour faire guerrier. Ouais, pour l'instant, ça pourrait servir à ça si on trouve pas. Oh. Enfin, on décore un peu mon animal là. Là, ça peut être trop. Pourquoi pas, hein, ça permet d'un peu voir comment le jeu fonctionne. Ah, lol, excellent. Je sais pas trop si je vais les laisser. Ça fait marrant. Ah, sympa, ça fait un peu Naruto ou un truc comme ça. Enfin, ça fait quelque chose en tout cas. Ça fait marrant. Ah, c'est excellent. Non, c'est comme je vous dis, il est sympa ce jeu. Il est vraiment très sympa. Wing. J'en ai ou pas? N'avez pas compris qu'il me demandait du vrai fric, vraiment quoi. Ben voilà, comme ça vous avez vu à quoi ça ressemble. Dans le principal, c'est le but. Voilà. C'est sympa comme jeu. Wow. On peut continuer là. Non, il est marqué Fury. Pas mis à stack autre chose. Spawn. Voilà, on va recharger et ça permet d'avoir au moins une version plus complète d'un animal. Et ça fait moins bordel.
Et voilà, bon, c'est stylé, hein, je trouve. De toute façon, ce jeu va passer en post-prod parce que j'ai montré ma carte et ça me gêne. Je suis parano même en voyant que les peu de chiffres que vous avez vus, j'ai peur qu'on puisse retrouver ma carte bleue. Donc je vais devoir vérifier. Ah bah non, c'est pas l'utiliser puisqu'il faut le code de sécurité, c'est juste. Enfin voilà, comme ça vous voyez un peu. Donc comme vous voyez, il y a quelqu'un qui bug là. Magnifique. Donc voilà, c'est un peu le principe de ce jeu. En fait, c'est ça quoi. C'est sympa, je le trouve vraiment génial ce jeu. Ah, ben, l'internet déconne. Bon, ouais, on va terminer comme ça du coup, hein, parce que ça a planté. C'était du coup Roblox. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.